Et yop tout le monde, c'est Sprout, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online, donc pour une toute nouvelle vidéo. Pas d'astuces, voilà. Donc ça continue toujours sur la même série. Les endroits what the fuck de GTA 5 Online. Donc on va tout de suite se rendre à la boîte de striptease. Donc je pense qu'on y a tous été déjà, hein. Voilà, regardez les nanas, tout ça, bref, ça fait plaisir et tout, bon. Donc on va se rendre au même endroit que moi, donc je vous le remets sur la carte, si vous ne savez plus où c'est. De toute façon, il y a un petit logo qui vous indiquera, regardez, hop, une petite paire de chaussures pour les meufs. Voilà, donc c'est à cet endroit-ci. Donc, pour rentrer dans la boîte de striptease avec des armes et pouvoir passer donc derrière... les podiums, etc. Et donc voir cette créature que tout le monde attend, il faudra tout d'abord appeler Lester. Voilà, donc comme moi dans la vidéo, vous appelez Lester. Donc là, on va attendre qu'elle réponde. Voilà, et tout de suite là, vous choisissez la police ferme les yeux pour 5000$. Je sais que ça fait un peu cher juste pour un glitch de 2 secondes, mais bon. Et donc vous butez le garde. Voilà, et donc là vous pouvez rentrer, théoriquement vous devriez rentrer avec une arme. Donc si ça fait comme moi et que ça vous enlève l'arme, directement vous prenez votre arme et vous tirez en fait sur la porte. Comme ça, en fait pour effrayer les gens. Et voilà, donc là vous êtes avec une arme dans le... Ouh là, elles étaient mignonnes elles. Dans la boîte de striptease, coucou toi. Et donc... vous avez juste à vous diriger vers la salle de striptease, donc là, la première salle où vous allez choper les numéros. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est la salle où elles vous font le petit striptease. Donc là, vous êtes assis et vous pouvez avoir leur numéro. Voilà, donc je vous apprends rien. Je pense que là, tout le monde y a déjà été. Donc ensuite, on se rend dans la première salle juste à côté. Donc je vous ferai découvrir la petite créature juste après. Donc je vais tourner la caméra. Voilà. Donc là on se retrouve avec une bonbonne d'eau, on sait jamais si vous avez soif et tout, etc. Bref, la créature est à ma gauche, donc je vais vite vous faire visiter un peu cet endroit. Donc voilà, donc ici je vous apprends rien, hein. Il y a la scène voilà où tout le monde fait le striptease, donc c'est super, maintenant on peut s'éclater avec ses potes. Une fois que vous avez fait ça, ouais, vous pouvez même faire une soirée, quoi, une soirée organisée dans la boîte de strip et tout. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir une petite soirée entre abonnés ici, voilà. Donc ensuite, donc une fois que vous êtes sur la scène, bah vous baladez en fait où vous voulez dans cet endroit. Donc là, si on pousse la porte, qu'est-ce qu'on trouve? Hop, le bureau du directeur. Donc c'est super. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? Il a l'air un peu pervers à mettre des petites images de meufs là, comme ça. Oulala, ouh le coquin. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc là, on peut trouver des médicaments. Ah non, des cartouches d'imprimerie. Là, du papier. Cartouches d'imprimerie. Ah, un sirop. Des talkie-walkie. Enfin, je crois que c'est des talkie-walkie, une torche. Donc ça doit être pour le garde, à mon avis. Un ordinateur. Un super beau ordinateur, le Mac. Voilà, je vous présente le tout dernier Mac de Apple. Non, je rigole. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là? Un petit tableau et ici une porte qui veut pas s'ouvrir, c'est super. Donc une fois que vous êtes à cet endroit-là, bref, il n'y a rien là-dedans. Donc on va tout de suite se diriger tout au fond de la salle, là où je vous l'avais promis, sur ma gauche, c'était... Et voilà. Donc la fameuse créature, donc le fameux serpent... est ici, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien un serpent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'appareil photo pour vous montrer. Donc je vais zoomer sur celui-ci, voilà. Ouh, il est beau le coquin. Oulala. Non sérieux, il m'a fait peur la première fois quand je l'ai vu, alors que c'est juste une maquette, hein. Faut pas avoir peur les gars, hein, tout simplement. Mais moi j'ai eu peur. Donc vous pouvez toujours tirer toutes les balles que vous voudrez sur la fenêtre. Il ne bougera jamais. C'est un serpent mort. Je crois qu'il est en train d'hiberner là. Je sais pas.
faudra lui demander un jour, on va demander au directeur. Vous pourrez aussi mettre des C4, il y aura rien. Là si on met un C4, là voilà, je suis mort. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.